En fait, moi, j'ai choisi la ville de Saguenay comme employeur parce que moi, j'ai fait mon cours à Jonquière, puis je trouvais que le cours était vraiment complet, puis les visites qu'on faisait, on les faisait dans les milieux de Ville-Saguenay. Donc, ça nous permettait vraiment de voir le réel, puis j'aimais vraiment ce que je voyais dans mes visites. Donc, j'ai décidé de choisir Ville de Saguenay comme employeur. Il proposait, par exemple, aux nouveaux employés d'intégrer directement dans l'équipe qui était déjà en place, malgré le fait qu'ils soient nouveaux. Parce que dans d'autres usines, les nouveaux employés passent plus de temps à faire passer la mop que d'opérer directement. Et c'est ce qu'on m'avait promis à l'entrevue. Heureusement, quand j'ai été recruté, dès que je suis arrivé, et ça s'est vraiment concrétisé. En fait, j'ai découvert la région pour y faire mes études. Et petit à petit, j'ai trouvé la région vraiment sympathique et on a eu un coup de cœur pour la région. Et à l'issue de mon cours, j'ai eu la chance de faire un stage de fin d'année à la ville. Et puis, on m'a fait la proposition de pouvoir y rester. Donc, on a sauté sur l'occasion et on est resté donc ici, dans la région. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment là, le volet d'avoir une ville entourée là, de bois, de boisé, de la forêt, le plein air. Là, c'est vraiment ce qui m'intéressait là, au niveau de la ville. Puis aussi les installations, là, la diversité des installations. Là, En fait, moi, je suis native de Jonquière. J'ai décidé de rester dans les alentours de Ville-Saguenay parce que ma famille est ici et je suis très familiale. Donc, j'ai décidé de garder le petit cocon familial près de moi. Fait que c'est pour ça aussi. Aussi, tu sais, nos saisons, là, l'hiver, il y a plein de beaux sports qu'on peut pratiquer. L'été aussi, plein de beaux sports. Le printemps, l'automne, chaque saison a vraiment des sports que j'aime pratiquer. J'en pratique pas vraiment un en particulier, mais j'aime ça toucher un peu à tout. Fait que c'est pour ça qu'à Saguenay, je trouve que niveau sportif et activité comme extérieur, bien, c'est comme complet dans chaque saison. Les avantages, c'est déjà d'avoir de l'espace, de pouvoir respirer, de ne pas avoir de circulation, de pouvoir avoir la montagne à côté, d'avoir l'eau aussi, de pouvoir faire du ski, du golf, de profiter du plein air, des espaces et surtout de ne pas être les uns sur les autres en tout cas. Donc mon accueil a été fait durant un stage puis je trouve que ça s'est vraiment super bien déroulé. Dans le fond, tu fais deux semaines en eau potable, deux semaines en eau usée, fait que tu vois un peu de tout. Les gens sont là pour t'apprendre. Tu arrives avec des connaissances, oui, mais ils t'en apprennent encore plus. Ils te montrent vraiment la réalité. Puis aussi, en tant que femme, je suis dans un milieu majoritairement d'hommes, mais j'ai vraiment été bien accueillie. J'ai trouvé, malgré qu'il y a beaucoup d'hommes, on est accueillis comme si j'étais un homme. L'accueil d'un homme puis l'accueil d'une femme était identique. Oh, moi, en tant que minoritaire visée, la ville de Saguenay n'a pas fait ressentir cela. Donc, sur le plan pratique, ils réalisent vraiment ce qui est juste formel pour les autres villes. Donc, ça me touche vraiment au cœur et ça m'a tellement motivé. J'encouragerais facilement mes autres camarades à pouvoir tenter la chance ici à Saguenay et ils ne seront pas déçus. Définitivement, au niveau des autres opérateurs, là, moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions quand même. Puis, je voyais là, l'intérêt à m'aider, puis à me faire comprendre. Puis, l'intégration était très bonne là, au niveau de l'équipe. Là. Pendant mon stage, j'ai rencontré des collègues qui étaient vraiment très ouverts à me recevoir déjà et puis à m'apprendre, à partager leurs connaissances. Ils étaient assez généreux avec moi, je posais des questions, tout le monde me répondait, on me donnait vraiment les informations. J'ai vu que personne ne faisait de la rétention d'informations, vraiment on me donnait tout ce qu'on pouvait, donc j'ai vraiment apprécié. C'est ça aussi pendant mon stage qui m'a donné l'envie de continuer de travailler à la ville, parce que le cadre, vous le voyez, c'est vraiment un cadre de travail qui est plus qu'agréable. Et puis si en plus on a les collègues agréables qui vont avec, il n'y a pas de raison de chercher plus loin. Les installations à Ville de Saguenay sont assez complets. On touche à l'eau potable et à l'eau usée. On a des traitements, si je parle de l'eau potable, des traitements conventionnels, coagulation, flocculation, mais on a aussi des traitements membranaires. Membranaires, c'est quand même intéressant parce qu'il y en a, c'est pas le traitement qui est le plus répandu. Donc à Ville de Saguenay, ça nous permet de toucher vraiment à les deux types de filtration pour l'eau potable. On a aussi dans l'eau usée, on a différents traitements. On en a un à la baie, un à Chicoutimi, un à Jonquière, mais plus à Arvida. Fait dans le fond, toutes les usines ont leurs petites spécificités qui permettent de vraiment travailler dans toutes les installations possibles. Je veux dire, moi, ce qui a fait vraiment mon choix au début, c'est chercher un endroit pour travailler avec les bois activés en épuration. Puis j'ai découvert justement que la ville de Saguenay là, a trois bois activés, là, la baie Jonquière, Chicoutimi. Donc, c'est ça qui a favorisé ou influencé mon choix. Alors ici, c'est une usine qui est un peu particulière. Il y a une autre usine de filtration qui est à Jonquière.
l'autre à Chicoutimi, mais alors celle-là utilise un système de membrane, c'est ce qui fait un peu sa spécificité. L'autre usine, c'est un système plus conventionnel. Voilà, donc c'est vraiment la spécificité, l'aspect de la filtration par les membranes qui fait un peu la spécificité de cette usine et qui la rend peut-être un peu plus technique, j'ai l'impression, que d'autres. Mais c'est un aspect qui est assez agréable aussi à gérer. Dans le fond, l'autonomie à Ville-Saguenay est vraiment mise de l'avant parce que normalement, comme moi présentement, je suis en filtration, tu fais des horaires de 12 heures puis tu es seul. Donc l'autonomie, il faut qu'elle soit présente, il faut que tu sois capable de résoudre des problèmes quand que les problèmes arrivent. Oui, on a toujours quelqu'un qu'on peut appeler au besoin, on a toujours un contremaître ou une personne en surplus pour nous appuyer si on a des questions puis des trucs qu'on ne sait pas trop. Mais l'autonomie est vraiment mise de l'avant. La débrouillardise aussi est vraiment importante parce que on touche, oui, au traitement des eaux, tout ce qu'on apprend, les connaissances et tout, mais on touche aussi, on fait de la mécanique, on va faire de la plomberie. Tout ce qui retouche au traitement, c'est nous qui le fait. Donc, c'est important d'avoir une bonne base en tout. Fait que la débrouillardise, la polyvalence, ça, c'est vraiment des atouts pour travailler à Ville-de-Saguenay. Au niveau de la polyvalence, au niveau de la ville, ce que j'aime beaucoup justement, c'est qu'il y a autant en épuration, en filtration ou en réseau, il y a beaucoup de possibilités d'emploi là. Puis même juste dans un même poste, il y a du roulement. Une semaine, je peux faire du laboratoire, l'autre semaine, je peux faire du filtre à bande, l'autre semaine, je peux être plus sur le terrain, faire plus des tâches manuelles. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est très pertinent. On sent qu'on n'est vraiment jamais en danger, en fait, dans le travail. On sent que vraiment tout est fait pour nous protéger, pour pas qu'on prenne de risques. Très rapidement, on reçoit une tenue complète de la tête aux pieds. On a tous les EPI, les vêtements, les accessoires nécessaires. Quand on doit faire des interventions un peu particulières. En plus, on n'est jamais seul quand on doit faire ce genre d'intervention, on est toujours accompagné. Il y a des procédures à suivre, donc voilà, on sait qu'on travaille vraiment dans un environnement qui est serein. Mes collègues sont des gens très, très conviviaux, ce qui fait que quand tu as un petit souci, ils se portent volontairement à ton secours et ça m'a totalement marqué. Parce qu'en tant que minorité visible, je suis presque le seul qui est vraiment de couleur noire dedans, parmi mes collègues, mais on ne le ressent pas. Je n'ai pas vraiment ressenti cela et c'est très, très, très appréciable. La région est quand même assez riche d'infrastructures et différentes. Donc, ce qui est assez agréable, c'est de pouvoir avoir cette souplesse. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec le temps, on a toujours la possibilité de travailler, si on préfère, avec des membranes ou alors avec un circuit plus conventionnel, mais aussi d'épuration. Il y a des étangs aérés, il y a des puits, il y a toutes sortes de petites choses intéressantes à faire. C'est assez varié, donc voilà, la région est assez riche. Si quelqu'un préfère un style de traitement de l'eau, il trouvera de toute manière son bonheur ici.